Messieurs, allez. Le dernier groupe 1 de cette soirée à Vincennes qui va sacrer donc le meilleur 5 ans. C'est le championnat européen des 5 ans, distance 2100 mètres. Alors Dejet arrive un peu lancé. C'est Unicorno SLM qui est au galop, le 6. Unicorno SLM qui disparaît, très bon départ du rapide de Dijon. Mais on est parti également très vite avec Wouton Kazay, le numéro 5. Orlando Jet essaie de garder sa place, il est là le long de la corde dans le sillage de Dijon. Avec Dijon qui a pris donc le meilleur départ, il s'est montré le plus véloce. Et il bloque la course maintenant avec à son extérieur le trotteur autrichien Wouton Kazay qui était en deuxième position. Django Reeves se rapproche, il vient désormais pratiquement à hauteur de Dijon alors qu'ils sont dans le premier tournant, alors que l'allure n'est pas très rapide pour l'instant. Non, Dijon bloque la course pour l'instant et Django Reeves est venu. Mais sans lui mettre la pression, les deux drivers français là qui semblent s'entendre, Romain Doriot et Johan Le Bourgeois, qui cannassent bien l'épreuve dans leur sillage Orlando Jet. Tout près également le 5 Wouton Kazay, avec un peu plus loin des chevaux qui attendent. C'est le cas de Dragon Derac dans une course qui n'est toujours pas rythmée, sous l'impulsion de Dijon et de Django Reeves. Et les deux Français qui sont en tête. Dijon, favori de cette épreuve, Django Reeves à trois quarts à son extérieur. Orlando Jet est en troisième position avec également Wouton Kazay qui est à son extérieur. Money Viking sur une troisième ligne avec Dragon Derac, suivi encore par le numéro 10 d'Aska de l'Océan. Alors qu'ils abordent le dernier tour sans de véritable accélération pour l'instant. On n'est pas allé vite jusqu'ici. Dijon contrôle avec Django Reeves. Ces deux-là d'ailleurs qui sont un peu les patrons du peloton. Dans leur sillage, Orlando Jet attend avec Wouton Kazay, avec un peu plus loin également Ryan Kilstrom qui est sur une troisième ligne au sulky de Money Viking. À son extérieur, Dragon Derac, toujours pas d'attaque pour aborder le dernier passage en face. Mais c'est une course tactique alors qu'ils vont passer le poteau qui indique le dernier kilomètre avec Dijon. C'est le patron pour l'instant, il est tête et corde avec Django Reeves, toujours à une demi-longueur à son extérieur. Orlando Jet est derrière eux côté corde avec Wouton Kazay qui trotte en quatrième position, suivi encore par le numéro 3 Money Viking et le numéro 4 Dragon Derac. Toujours pas d'attaque, Romain Dorieux s'est retourné vers Johan Le Bourgeois qui lui-même se retourne. Il contrôle vraiment la course, les deux Français. Dijon et Django Reeves, ils s'entendent très bien et n'avancent toujours pas alors qu'on aborde bientôt le dernier tournant. Et que l'on accélère sensiblement avec Dijon le premier qui hausse un petit peu le ton. Django Reeves l'accompagne toujours alors que nous avons un remarquable effort à l'extérieur du numéro 8 Super Nice pour aborder le tournant final. Ouais, Super Nice qui vient vite, mais on va le contrer facilement avec Dijon et Django Reeves qui sont en train de repartir. Orlando Jet est toujours là calé le long de la corde. Wouton Kazay est en train de craquer. Il n'arrive plus à suivre les premiers. Avec Romain Doriot qui a repris Dijon, il attend sans doute la ligne droite finale pour réaccélérer. Il sait que Django Reeves trotte à son extérieur depuis maintenant un tour. Super Nice qui s'était rapproché reste un petit peu en suspension. Orlando Jet est prêt à bondir mais pour l'instant il est bloqué par Romain Doriot qui entre en tête dans la ligne droite avec Dijon et qui laisse au chaud pour l'instant Orlando Jet dans son sillage. Django Reeves se défend bien. Dijon à la ligne droite qui a l'avantage, qui va maintenant réaccélérer. Dijon qui d'un seul coup appuie sur l'accélérateur. Orlando Jet qui n'a pas le passage à son intérieur et qui lutte pour la deuxième place avec Django Reeves. Et c'est un troisième groupe 1 pour le numéro 2. Dijon qui remporte ce championnat européen des 5 ans devant sans doute le 7 Django Reeves. Hélas Orlando Jet qui n'a jamais pu s'exprimer pour finir. Et Dijon...